Hola amigo, tu es capable de jouer un compas de guitare rapide, genre 120 BPM? Tu arrives à changer 5 ou 6 accords de guitare? T'arrives à jouer de la guitare pendant 5 minutes sans ralentir en gardant le même tempo? Eh bien c'est parfait! Prends ton capot d'astre, mets-le à la seconde case et on va jouer ensemble une chanson qui a fait le tour du monde, Bamboléo, version Gypsy King. Et c'est parti! Voici la structure du morceau. Une introduction guitare suivie d'un couplet A qui s'enchaîne sur un refrain. Ensuite, on passe au couplet B, cette fois-ci, qui va s'enchaîner encore sur un refrain. Puis, un pont musical et le coda de fin qui rappelle le début du morceau avec l'introduction guitare pincée. Sin esta manera no tiene la culpa. Caballo de la Habana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, 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 ven. Alors si vous avez du mal avec le positionnement de cet accord, c'est pas grave, on va aller le récupérer d'une autre façon. Regardez, on va prendre l'index première case sur la corde de Si, ensuite on va prendre le majeur deuxième case sur la corde de Sol et l'annulaire sur la corde de Mi à la deuxième case. Voilà. De cette manière-là, on va récupérer le même accord. En revanche, si vous utilisez ce positionnement qui est plus facile, il faudra éviter de faire sonner les cordes basses. Voilà, on va essayer de jouer la combe basse un petit peu plus dans les aigus à partir de la corde de Ré. Et
Et si jamais vous avez du mal pour faire le barré, le seul barré qu'il y avait dans ce morceau, eh bien ça va être simple. Ce qui va se passer, c'est que le sol, vous pourrez le récupérer comme ceci. Cette introduction, moi ce que j'utilise, c'est simplement le majeur qui va venir sur la corde de la à la deuxième case, et ensuite ça va être l'annulaire qui va venir à la deuxième case sur la corde de si, et l'auriculaire qui va venir récupérer sur la même corde de si. Ici on va faire des petits pincés entre la corde de basse. Vous pouvez utiliser les deux aigus, et encore mieux si vous arrivez les trois. Et ensuite on fait des petits à-coups. Voilà les notes utilisées. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochains morceaux. Et viva la musica! Olé, olé.